Le soleil de septembre bourdonne des essaims. Les cadavres d'hommes qui ont gardé des poses étranges, les genoux pliés en l'air, le bras appuyé au talon de la tranchée. Les cadavres de chevaux, plus douloureux encore que les cadavres d'hommes, avec des entrailles répandues sur le sol. Les cadavres qu'on recouvre de chevaux de paille, de terre ou de sable, qu'on calcine ou qu'on enterre. Une odeur effroyable, une odeur de charnier monte de toute cette pourriture. Elle nous prend à la gorge et pendant 4 heures, elle nous abandonnera. Au moment où je trace ces lignes, je la sens encore éparse autour de moi qui me fait chavirer le cœur. Champ de bataille, je vous prie. Non, pas champ de bataille, mais champ de carnage. Car les cadavres, ce n'est rien. En ce moment, j'ai déjà oublié leurs centaines de figures grimaçantes et leurs attitudes contorsionnées. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est la ruine des choses, c'est le saccage abominable des chaudières, c'est le pillage des maisons. Ce n'est jamais comme. Elle a été écrite le 31 juillet. Les tranchées de première ligne sont en train de venir. Ici, en plus des balles, des bombes et des obus, on a la perspective de sauter à 100 mètres en l'air d'un instant. C'est la guerre des mines. La dernière explosion a fait un trou de 25 mètres de profondeur sur 50 mètres de diamètre. Inutile de te dire ce que sont devenus ceux qui se trouvaient dans la mine. Bienvenue. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5h du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions l'assaut, les Allemands se sont amenés dans la tranchée. On fait prisonnier de 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence des ennemis. Nous sommes passés 24 hier soir en conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra à ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois pardon. Je vais me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon au poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout. Henri Fleur. J'ai écrit une carte ce matin à Julien. Je lui expliquais la pénible corvée que nous avons faite ce matin. Le code de justice militaire est très sévère en temps de guerre. Et ceux qui veulent tirer au flanc se répondissent sûrement. Je verrai toujours devant mes yeux cet homme à genoux, les yeux bandés, qui m'a attaché au poteau, un feu de salve, et ce n'est fini de l'existence. Tant ce n'est pas un crime qu'il avait commis. Alors que nous montions à Notre-Dame de Lorette, il était resté en arrière en essayant de sauver sa peau, s'est embourbé davantage. Je ne connais pas ses antécédents, mais il me semble qu'on aurait pu avoir un peu de pitié, car cet homme est père de 4 enfants. Il a voulu faire un exemple et cela est tombé sur lui. C'est un malheur, mais d'un autre côté, cela donnera à réfléchir à tous ceux qui ont l'habitude de tirer au flanc. Le 13 novembre 1916. Cher Farran, il y a beaucoup de poilus qui se font encore évacuer aujourd'hui pour pieds gelés. Quant aux miens, ils ne veulent pas geler malheureusement, car je voudrais bien une évacuation aussi. Il n'y fait pas bon ici en arrière, ce sont les avions qui font des ravages terribles et en avant c'est loin de marcher comme les journaux vous annoncent. Ceux-ci sont des bourreurs de crâne, encouragez le civil, n'y croyez rien, comme je vous ai déjà dit, c'est la guerre d'usure en bonheur, en tout. Je termine pour aujourd'hui en vous embrassant de grand cœur. Votre fils dévoué, au sens. Je chantais victoire, victoire. Ma jeune poitrine respirait à plein poumon. Je buvais l'air frais, je buvais les nouvelles. 44 canons pris ce matin. Les Allemands repoussés de 15 km. J'avais vu des blessés ce matin à la ferme. J'avais donné à boire à tous. Ils avaient peut-être une centaine d'Allemands et des Français. Et voilà que pour la première fois, nous allons de l'avant.
et toute ma belle joie enfantine est envolée. Là, un lieutenant du 74e, là, un capitaine du 129e, de tous côtés par groupe, de 3, 4, quelquefois isolés, et encore dans la position du tireur, couché. Gissant et pantalon rouge, ce sont les nôtres. Ce sont nos frères. C'est notre sang. On en amène un, il n'est pas mort, mais une plainte qui n'est plus qu'un rare sort, vagissement ininterrompu. Pauvre petit, sans soutien qui n'a pas de maman pour le consoler. Il a une plaie béante à la tête, il va mourir. J'ai vu sa médaille, Louis Barrière, 44e bureau, 1913. Il a 20 ans. Plusieurs sont adossés à des arbres le long de la route. On s'occupe peu d'eux. Il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Le pansement individuel, ah, et c'est tout. Ah, horrible, gens qui avaient voulu cette guerre, il n'y a pas de supplice au pied de vous. Hier, derrière le mur du fer, j'avais vu sac à dos, un réserviste pour 120.